forcément Limoges, là où j'ai vécu 18 ans, pour son confort, son accueil, sa gentillesse, ses habitants. Bien-être, beaucoup d'authenticité, l'amour aussi, c'est déjà pas mal. Ah oui, comme c'était hier, j'avais 18 ans, donc il y a un petit peu de temps. J'étais beaucoup, beaucoup plus jeune et j'avais un gros sou comme ça, un gros afro. Et j'avais mis plus de 8 heures à venir de Lyon, où j'habitais à l'époque, puisque mon camion était tombé en panne. J'avais roulé à 40 à l'heure pendant 200 km, donc je peux vous dire que ça peut paraître très, très long. Et je venais signer mon premier contrat pro à Limoges, donc en 78. Amour, passion, famille, sport. La passion et le sport est vraiment liés, puisque je me suis marié là-bas, j'ai eu mes enfants là-bas. Bien sûr, je me suis épanoui sportivement là-bas avec Limoges SP. Oh, une bonne viande d'Limousin, une bonne entrecôte avec des cèpes fraîchement cueillies, revenir à la poêle avec un peu de vanille à la bouche, avec un petit peu d'ail. Je profite un peu du relief, notamment en Limousin. C'est vallonné pour faire du vélo. C'est merveilleux pour prendre du plaisir, à pédaler, à être seul, comme ça, sur les petites routes. J'avais beaucoup apprécié les côtes de Lascaux, par exemple, tellement empreint d'histoire et ça nous rend un petit peu humble. C'est beaucoup de richesses. C'est un patrimoine que je ne connais pas très bien et que je vais m'empresser de découvrir. Je suis plutôt hôtel, il y a des très très beaux rôles et châteaux, notamment dans pas très loin en Limousin. Et j'ai quelques amis qui m'accueillent à bras ouverts avec des tables à se damner, c'est divin. À Beaublanc, un match de basket pour revenir à voir une victoire du Limoges SP, ce temple historique et symbolique de cette équipe qui a un palmarès inégalé en France, en basket en tout cas. Le Cap Ferré, la dune du Pilat, toutes ces destinations dont on me parle depuis de nombreuses années et que je n'ai pas pris le temps de visiter. Ces coins de paradis dont on me parle et qui me font rêver. La fête des petits ventres à Limoges. Caractère, authenticité et convivialité.